Et bonjour tout le monde, cette semaine on se retrouve pour faire une tourte au Beaufort. Alors là c'est un plat vraiment excellent pour mettre en valeur ce bon fromage des montagnes qui est le Beaufort. Cette tourte va être composée de plusieurs étapes, de deux pâtes feuilletées qu'on va évidemment faire maison, de patates et d'une certaine garniture qu'on fera juste après. On va commencer par cuire les patates. Ici j'ai pris de la patate douce, un légume que vous pourrez trouver dans le panier, dans votre panier BDD de la semaine. Avec des pommes de terre classiques, ça peut tout à fait se faire. Là c'était l'occasion, on va les cuire de toute façon de la même manière. Donc première étape, on les épluche. Voilà, alors une fois que c'est fait, on va le couper en petits morceaux pour que ce soit plus facile à cuire. Voilà, donc on met tout ça dans une casserole, on met de l'eau et puis on met ça à cuire. Alors pendant que ça cuit, on va cuisiner la garniture qui va être sous les patates dans notre tourte. Il va y avoir plusieurs ingrédients. On va commencer par une échalote. On la coupe en deux, on l'épluche et on coupe. On peut hacher un petit peu comme ceci. Et on va pouvoir mettre ça dans le saladier. Alors, deuxième ingrédient, ça va être du saumon fumé. J'ai pris ici de la truite fumée, hein, je vous conseille, c'est quand même moins cher. On fait des tranches comme ça, verticales, et dans l'autre sens. Alors maintenant, on passe au Beaufort. Donc j'ai ici 150 g de Beaufort. On enlève les croûtes en longueur, et puis ensuite on fera des petits cubes. On va rajouter du sel et du poivre. Pas non plus trop de sel parce que le saumon fumé est déjà salé à la base. Hein. Et le dernier ingrédient, ça va être de la crème fraîche. On va en mettre pour ses proportions environ 20 cl. Et maintenant, on mélange avec une cuillère en bois. Voilà. Alors, la pâte. On a pesé 250 g de farine que j'ai mis dans un récipient. On va rajouter à ça du beurre et beaucoup de beurre. Une pâte feuilletée, c'est avant tout du beurre. On va rajouter 200 g de beurre. En gros, il nous faut ça de beurre. On va rajouter une pincée de sel parce que notre beurre est pas salé. Et la technique, ça va être de malaxer le beurre et le mélanger à la farine. Une fois que le beurre est bien incorporé à la farine, vous voyez, il doit faire des bouts comme ceci. Donc une fois que c'est fait, on va rajouter de l'eau, exactement 10 cl d'eau. Donc d'un coup. Hein. Et on mélange. On va tourner comme ça. Alors donc là, la pâte, elle est bien, elle a une bonne texture. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, enfin elle est trop mouillée, vous rajoutez de la farine. Et si vous voyez qu'au contraire, elle s'émiette trop, et bien vous rajoutez un petit peu d'eau. Alors on rajoute un peu de farine pour fleurir le plan de travail, c'est important pour pas que la pâte colle. On prend un rouleau, on l'étale une fois dans sa longueur. Une fois que c'est fait, on va la replier en trois. Une fois comme ceci, et une fois comme ceci. Et on va recommencer l'opération trois fois, mais toujours dans le même sens. Vous pouvez plier une fois, et on réétale dans le même sens. Une fois, deux fois, on plie. On va la couper en deux. On va checker vite fait les patates. Elles sont même carrément cuites. Hein. Avec une passoire. Ok, donc on revient à nos pâtes. On peut appuyer un petit peu comme ceci. Et on voit que là, on est pas mal. Donc ça nous fait une pâte. On peut la replier et on va préparer l'autre. Même chose, on étale. Voilà, nos deux pâtes sont prêtes. On a notre moule. On va rajouter une feuille de papier cuisson. Voilà, sur laquelle on va disposer une première pâte. On rajoute notre garniture. Et on va mettre notre garniture au centre. Là, on la répartit bien. Il faut que ça aille dans chaque coin. On rajoute ensuite les patates. On va les rajouter en vrac et puis on va étaler. Et enfin, on ajoute au-dessus notre dernière pâte. On va couper ce qui dépasse et on colle le tout. Une dernière étape avant d'enfourner, là elle est belle notre tourte, mais il faut qu'elle dore un petit peu. Donc on va rajouter un œuf, on le mélange et on en met sur la tourte. Et voilà, la tourte est prête, donc maintenant il vous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. Voilà, donc après 45 minutes la tourte est cuite, vous pouvez voir qu'avec le jaune d'œuf elle a bien doré. Bah, maintenant vous pouvez manger là-dessus à 4 évidemment, vous pouvez manger avec tous vos amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine.